Vous avez besoin d'aide, monsieur? Oh, bonjour, lieutenant. Besoin d'aide? Non, non, ça va, merci. Qu'est-ce que c'est? Des noix de pécan. J'apporte des noix de pécan à ma nièce. Des noix de pécan? Oui. Elle fait des tartes aux noix de pécan immangeables. Je plains son pauvre mari. Et c'est dommage pour les noix, surtout. Salut tout le monde, et bien aujourd'hui on est au Cinérama Empire et on vient de voir The Mule de et avec Clint Eastwood, The Mule qui sort d'ailleurs dans cette salle aujourd'hui, dans cette salle notamment. Alors The Mule, c'est un film qu'il a réalisé, il a 87-88 ans et il joue un homme de 90 ans qui sert de mule pour un cartel mexicain, pour un cartel mexico-américain. Alors une mule c'est quoi? C'est quelqu'un qui convoie de la drogue pour un cartel justement, et d'habitude c'est pas tellement les vieillards qui font ça, c'est plutôt des jeunes femmes qui transportent de la cocaïne dans leur estomac. Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je pensais qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie, quitte à être une nullité à la maison. Alors, The Mule, c'est un film qui appartient à la période mélancolique de Clint Eastwood, enfin, à sa veine mélancolique plutôt, comme Million Dollar Baby, comme Sur la route de Madison, comme Gran Torino. C'est pas du tout comme 3h17 pour Paris, le film qui est sorti de lui, qu'il a fait l'an passé, sur l'attentat terroriste dans un train français. C'est une veine mélancolique, c'est un film un peu méditatif, et en cela, c'est un très beau film. Qui mérite largement d'être vu. Alors c'est un film que je recommande et que j'ai personnellement beaucoup aimé parce qu'il dit pas mal de choses différentes. Il parle par exemple de la vieillesse et notamment de la transparence de la vieillesse, parce que c'est vrai qu'on soupçonne absolument pas ce vieil homme de 90 ans d'être une mule, et la police fait même connaissance avec lui sans se douter une seule seconde que c'est lui qui cherche et qui traque partout. Et c'est sans doute son âge qui fait ça, donc il est quelque part transparent parce qu'il est très âgé. Et c'est un thème qui est abordé dans le film. Il y a aussi un film qui parle de la famille, de la reconquête familiale. Comment faire quand on est très âgé, donc proche de la fin, et qu'on est fâché avec sa famille? Eh bien, on va faire ce que fait Clint Eastwood dans le film. Je ne vais pas le raconter, mais c'est de beaux gestes qui conduisent finalement à un départ serein, un départ heureux. Et c'est un film très heureux, pas du tout mélodramatique. C'est un film dont on ressort assez content, dont on ressort satisfait de vivre. Et c'est un film ensoleillé que je recommande vivement. Bonne séance.